Buenos días, familia. Bonjour, famille. Bendiciones. Bénédiction à tous. Qué bueno que estemos juntos nuevamente. Et ça fait plaisir qu'on soit tous réunis à nouveau. Quería darle gracias a todos los que se están conectando nuevamente acá y estar con nosotros. Et je voulais remercier à nouveau tous ceux qui se connectent et qui sont là présents avec nous. Sé que vamos a pasar una mañana diferente. Et je sais qu'on va passer une matinée différente. De hecho, ya la hemos estado pasando de esta mañana. D'ailleurs, c'est le cas depuis très tôt ce matin. Hoy quiero compartir con ustedes. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous. Algo que para mí ha sido de mucha bendición. Quelque chose qui pour moi a été de très grande bénédiction. Saben, hace tiempo en mi vida cristiana. Donc vous savez, il y a quelque temps dans ma vie chrétienne. Yo comencé a utilizar una estrategia que me habían enseñado y le escuché a un pastor. J'ai commencé à utiliser une stratégie que j'ai écoutée d'un pasteur. Porque había una campaña, creo que se llamaba What Would Jesus Do? Creo que quiere decir qué haría Jesús, ¿no? Et il y avait une campagne qui disait What Would Jesus Do? Donc qu'est-ce que ferait Jésus? Y lo empecé a aplicar en mi vida. Et j'ai commencé à l'appliquer dans ma vie. A nivel personal. Au niveau personnel. Y ahorita como pastor. Et maintenant en tant que pasteur. Estando aquí en Francia lo he utilizado mucho. En étant ici en France, je l'ai beaucoup utilisé. Y cuando se me acercan algunos hermanos, algunos discípulos a pedirme consejo. Parce que quand j'ai des frères, des disciples qui viennent à moi pour me demander des conseils. Opiniones. Des opinions. Yo les respondo a ellos, yo no te puedo dar un consejo ni una opinión personal. Je leur dis toujours, je ne peux pas te donner un conseil ou une opinion personnelle. Y aplico esta frase o esta pequeña déclaration. Et j'applique, on va dire, cette petite phrase, cette petite déclaration. ¿Qué haría Jesús? Qu'est-ce que ferait Jésus? Para que así nosotros podamos buscar la manera de cómo entrar en la Biblia a ver qué dice la Biblia con respecto a lo que la persona está pidiendo. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller vers la Bible et de chercher que nous dit la Bible par rapport à ce que nous demande la personne. Y nos ha funcionado bastante. Et ça a très bien fonctionné. Y a nivel pastoral nos ha ido muy bien. Et au niveau pastoral, ça a été très bien. Porque ya nos hemos quitado el peso de que muchas personas dicen que por culpa suya, pastor. Et on a enlevé grâce à ça le poids, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous dire « Ah, c'est de votre faute, pasteur ». Y en ese momento nosotros le decimos no, es lo que dice la Biblia, no es lo que yo digo. Et dans ces moments-là, ce qu'on répond c'est non, ça c'est ce que dit la Bible, c'est pas ce que je dis moi-même. Pero a medida que uno va caminando, mais au fur et à mesure où on marche, en su cotidianidad, dans son quotidien, siempre uno sabe que hay algo más que buscar del Señor. On sait qu'il y a toujours plus que chercher le Seigneur. Sí, Señor, está bien, ¿qué haría Jesús? Okay, muy bien. Alors oui, Seigneur, c'est vrai, qu'est-ce que ferait Jésus? Pensez ça, c'est très bien. Y uno trata de aplicar lo que Jesús haría. Está bien, muy bien. Et on essaie d'appliquer ce que Jésus ferait, et ça c'est très bien. Pero vi y viví momentos con muchas personas. Mais j'ai vu, j'ai vécu des moments avec beaucoup de personnes. Con circunstancias. Avec des circonstances. Problemas. Des problèmes. Donde por mucho de que yo aplicara lo que haría Jesús, no veía que algo podría estar pasando. Où j'avais beau appliquer ce qu'aurait fait Jésus dans ce genre de cas, je ne voyais pas vraiment ce qu'il pouvait hasta apporter. Que caí en un versículo, no me lo busque, Javier. Jusqu'à ce que je suis tombé sur un verset, donc le cherche pas, Javier. Si quiere, ustedes lo anotan en su casa, Génesis 21-22. Vous pouvez le noter, vous personnellement, Genèse 21, verset 22. Es una conversación que tiene lugar entre Abimelech y Abraham. Et donc là, on retrouve une conversation qui a lieu entre Abimelech et Abraham. Saben, es una declaración que cuando yo la leí hace tiempo, a mí me empezó a sonar, a sonar, a sonar. Et vous savez, c'est une déclaration que j'ai lue il y a longtemps, et dès que je l'ai entendue, ça a commencé à résonner en moi. Y le dice Abimelech a Abraham, es que veo que Dios está contigo. Et Abimelech dit à Abraham, je vois que Dieu est avec toi. Quiere decir que Abimelech estaba viendo en Abraham algo diferente. Ça veut dire que Abimelech, il voyait en Abraham quelqu'un de différent. No solamente por sus acciones. Pas seulement à travers ses actions. Sino por lo que él dice que él está viendo que alguien estaba con él. Mais parce qu'il disait bien qu'il voyait qu'il y avait quelqu'un qui était avec lui. Saben, yo ya la palabra quise ponerle un título. Et aujourd'hui, j'ai voulu donner un titre à cette parole que, he empezado a utilizar mucho también en mi vida. Que j'ai vraiment aussi utilisé beaucoup de fois dans ma vie. Y es que entre tú y yo, et c'est que entre toi et moi, Dios. Dieu. Entre tu casa y yo, Dios. Entre ta maison et moi, Dieu. Entre mi esposa y yo, Dios. Entre mon épouse et moi, Dieu. Entre mi trabajo y yo, Dios. Entre mon travail et moi, Dieu. Entre mi familia y yo,
Dios. Entre ma famille et moi, Dieu. Entre mi salud y yo, Dios. Entre ma santé et moi, Dieu. Entre cada una de las circunstancias y cada uno de mis días. Entre chacune des circonstances et chacune de mes journées. Y yo. Et moi. Dios. Dieu. Y quiero a lo mejor sonar un poco religioso. Et ça va peut-être sonner un peu religieux, ce que Porque je vais dire. Hay un versículo que este sí me gustaría que lo leamos. Parce que là, il y a un verset et j'aimerais bien que celui-ci on le lise. Que lo hemos dejado siempre en un simple pedacito. Qu'on a toujours gardé, mais en s'intéressant qu'à un petit morceau du verset. Porque yo le estaba diciendo al Señor en una de esas conversaciones que tengo con él a veces. Parce que moi je disais au Seigneur dans ce genre de conversation que j'ai parfois avec lui. Donde él siempre sale ganando. Où c'est toujours lui qui en sort gagnant. Y le digo al Señor, bueno, Señor, sí, entre tú y yo, tú, pero ¿cómo hago para colocarte a ti? ¿Cómo es que yo puedo estar contigo al frente para que la gente vea que tú estás conmigo? Où je disais, ok Seigneur, entre toi et moi, Dieu, mais comment est-ce que je peux réussir réellement à te mettre au centre d'une telle façon que les gens puissent voir que toi tu es avec moi? Porque cuando yo me voy a segunda de Corintios 6, 16, parce que quand je lis 2 Corinthiens 16, 6, 16, pardon. Segunda de Corintios 2 Corinthiens 6, 16, chapitre 6, verset 16, dice, il est écrit, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y nos quedamos siempre en este. Donc quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et on s'arrête toujours là. Con lo que viene. Avec ce qui vient. Porque qui vosotros après. Sois. Car vous êtes. El templo del Dios viviente. Le temple du Dieu vivant. Y entonces nos hemos conformado que somos el templo del Dios viviente, Daniela. Et donc on s'est conformé avec le fait que nous sommes le temple du Dieu vivant. Pero cuando yo empiezo a seguir profundizando un poco más en esta lectura. Mais quand j'approfondis un peu plus dans cette lecture. Empiezo a leer. Je commence à lire. Dios habitará y andará entre ellos. Que Dieu habitera et marchera au milieu d'eux. Será nuestro Dios. Que ce sera notre Dieu. Y nosotros su pueblo. Et nous sommes son peuple. Pero la frase que me quedó retumbando hace tiempo. Mais la phrase qui vraiment résonne en moi depuis longtemps. Es que él andará en medio de nosotros. C'est qu'il sera au milieu d'entre nous. Él estará entre nosotros. Il sera là au milieu de nous. Quiere decir que Dios está entre tú y yo. Ça veut dire que Dieu est entre toi et moi. Y cuando tú y yo comencemos, et quand toi et moi on commencera a vivir en esa dimensión, à vivre dans cette dimension, ya no de religiosidad, non plus d'une religiosité, más de una relación, mais d'une relation, pero no solamente una relación, mais pas seulement une relation, que te lleve a conocer bien a Dios, qui t'emmène à bien connaître Dieu, y no solamente conocerlo bien, mais pas seulement le connaître sino bien, tenerlo en tu corazón, amarlo realmente, mais l'avoir dans ton cœur, l'aimer réellement, y no solo amarlo realmente, et pas seulement l'aimer réellement, sino exteriorizarlo realmente, mais extérioriser cela réellement. Es cuando tú y yo vamos a comenzar a ver. C'est là où toi et moi nous allons commencer à voir. Que el propósito de Dios en mi vida. Que le but de Dieu dans ma vie. En medio de cualquier cosa donde se interponga Dios. Au milieu de n'importe quelle chose où est Dieu. Se va a cumplir. Va s'accomplir. Saben la palabra de Dios. Et vous savez la parole de Dieu. Dice que cuando él está presente. Dit que quand il est présent, que cuando él está con nosotros, que quand il est avec nous, nosotros somos más que vencedores. Nous sommes plus que vainqueurs. Dice la palabra de Dios, la parole de Dieu nous que dit, él es nuestro buen pastor, qu'il est notre bon pasteur. Dice la palabra de Dios, la parole de Dieu nous dit, que él nos va a acompañar, qu'il va nous accompagner, entre las circunstancias, dans les circonstances, valles de muerte, dans les vallées de mort, aguas, dans les eaux, fuego, dans le feu, lo que sea. Et quoi que ce soit, que nos puedan anegar, nos puedan quemar, nos puedan matar, qui puisse nous faire du mal, qui puisse nous brûler, qui puisse nous tuer, Dios va a estar con nosotros. Et bien Dieu sera là avec nous. Así como lo dice el Salmo, tout comme le dit le psaume, así como lo vivieron los Daniel y sus amigos, tout comme l'ont vécu Daniel et ses amis, los amigos de Daniel, les amis de Daniel, cuando fueron echados al horno de fuego, quand ils ont été jetés dans le four de Dios feu, estaba entre ellos, Dieu était là entre y eux, no les pasó nada. Et rien leur est arrivé. Quiere decir, ce qui veut dire que ahora nuestra manera de ver la vida cristiana, que maintenant notre façon de voir la vie chrétienne, es poder activar,
C'est pouvoir activer. Es poder creer. C'est pouvoir croire. Y es decidir. Et c'est décider. Realmente, a pesar de todo. Réellement, malgré tout. Contra todo el mundo. Contre tout le monde. Que entre tú y yo. Contre toi et moi. Hay que poner a Dios. Il faut mettre Dieu. Saben, hay muchos pasajes en la Biblia. Et vous savez, il y a beaucoup de passages dans la Bible. Abimelech se lo dijo a Abraham. Abimelech, là, il a dit à Abraham. Oye, estoy viendo que Dios está contigo. Écoute, je vois que Dieu, il est avec toi. Aquí el Señor nos lo está diciendo. Et là, le Seigneur nous le dit. Nosotros somos templo del Dios viviente. Nous sommes temple du Dieu vivant. Pero él nos está declarando que él está en medio de nosotros. Et en plus, il est en train de déclarer qu'il est là au milieu entre de nosotros. Nous. Entre nous. Quiere decir que entre mi esposa y yo. Ce qui veut dire qu'entre mon épouse et para moi. Que haya una muy mejor y buena relación matrimonial. Pour qu'il y ait une très bonne et une meilleure relation de mariage. No es dejando a Dios por fuera. Ce n'est pas en laissant Dieu à l'écart. Porque si no mi esposa le va a dar un beriberi. Parce que sinon, mon épouse, elle va. Le va dar un ataque de malcriadez. Elle va avoir une attaque de caprice. O nosotros los hombres. Ou alors nous les hommes. Si no es tratar de poner a Dios. Mais non, le fait c'est d'essayer de mettre Dieu. Dios quien medie entre mi esposa y yo. Pour que ce soit Dieu qui soit le médiateur entre mon épouse et ¿saben? Moi. En Josué 1:7, también no lo busque Javier, pero anótenlo usted en su libreta. Et aussi dans Josué chapitre 1 verset 9 et hay muchas declaraciones de Dios. On va pas l'afficher mais notez-le et cherchez-le. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer todos los versículos. Et à cause du temps on pourra pas lire tous les versets. Pero sí vamos a compartirlos. Mais on va quand même les partager. Para que vean cómo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pour que vous puissiez voir comment de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. El Señor siempre nos está diciendo. Le Seigneur nous dit toujours. Tranquilos. Ne vous inquiétez yo pas. Estaré contigo. Je serai avec toi. Así se lo dijo Josué. Et il a dit comme ça à Josué. Capítulo 1, versículo 7. À Josué, no te preocupes. Chapitre 1, estaré verset contigo. 7. Y no voy a fallarte. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi et je ne vais pas t'échouer. Quiere decir, ce qui veut dire que cuando tú empiezas a cobrar el sentido, que quand tu penses quand tu arrives, pardon, à trouver le sens, a realmente a vivenciar, à réellement être dans le vécu, que donde tú vayas, que là où tu vas, esté Dios, Dieu est là, wow, tu vida va a transformarse completamente. Wow, là ta vie, elle va se transformer complètement. Van a ocurrir muchas cosas. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Antes de tu hacer algo, avant de toi faire quelque cuando chose, cuando te sientes en tu computador, quand tu seras assis face à ton ordinateur, tú vas a entender, tu vas comprendre, que antes de tocar una tecla de un chat porno, que avant de toucher la touche d'un chat porno, que antes de tocar la tecla de una música que no te edifica, qu'avant de toucher cette petite touche qui t'emmène vers une musique qui ne t'édifie pas, que antes de ver una película que no te edifica ni a ti ni a la familia, et avant de voir un film qui ne edifie ni ta famille ni toi, tú vas a ubicar a Dios en medio de eso, tu vas placer Dieu au milieu de ça, y cuando tú lo vives, et quand tu le vivras, cuando tú lo experimentes, quand tu l'expérimentes, te garantizo que tu dedo, je te garantis que ton doigt, no va a tocar ese computador, ne va pas toucher cet ordinateur, porque la presencia de Dios, parce que la présence de Dieu, va a poder más, elle va que cualquier tiniebla, pouvoir beaucoup plus que porque n'importe nosotros ténèbre, somos más que vencedores, parce que nous sommes plus en que Cristo des vainqueurs, Jesús, en Christ Jésus, pero hay un problema, mais il y a un problème, que la palabra del Señor nos dice, c'est que la parole du Seigneur nous Jesucristo dit, lo dijo, et Jésus-Christ l'a dit, si ustedes permanecen en mí, si vous restez en moi, y mis palabras permanecen en ustedes, et mes paroles restent en vous, wow, pidamos, wow, demandons, pero olvídate del pedir, mais oublie-toi le fait si de demander, si permanecemos en Cristo, si nous restons en Christ, y su palabra permanece en nosotros, et sa parole reste en nous, y si me voy a Juan, et si je vais vers Jean, en el primer capítulo, dans le premier chapitre, vemos, on voit, cuando dice, quand il est écrit, que el verbo, que le verbe, vamos a buscarlo para leerlo bien exacto y bien estricto como es. On va le chercher pour en el principio, pour avoir vraiment le verset bien strict comme il est en écrit. En el principio era el verbo. Donc au début était le verbe. Y el verbo era et con le Dios, verbe était Dieu. Y el verbo era Dios. Et le verbe était Dieu. En el principio. Au début. Ok. Ok. Vuelvo a leer bien, Dani. En el principio. Au début. ¿Cómo dice en francés? ¿Qué versículo es? El capítulo 1, verso 1. Alors. En el principio era el verbo. Au début était le verbe. Je vais le y lire. El verbo era con Dios. Et le verbe était avec Dieu.
y el verbo era Dios. Y le verbe était Dieu. Quiere decir, ce qui veut dire, que la palabra que tiene que permanecer en nosotros, donc la parole, pardon, pour la version es française, ese verbo, donc la parole qui es doit Dios mismo, vivre en nous, c'est ce verbe, c'est Dieu es même, Jesucristo mismo, c'est Jésus-Christ même, funcionando entre el sujeto y el predicado, qui fonctionne entre le sujet et le COD. Quiere decir, ce qui veut dire, que él va a ser lo que nos va a mover. Que c'est lui qui va faire en sorte que quiere nous bougions. Decir, ce qui veut dire que si mi sobrina y yo tenemos un inconveniente, que si ma nièce et moi nous avons un inconvénient, y Dios está aquí, et Dieu est là, la palabra de Dios está aquí, la parole de Dieu est là, el verbo de Dios está aquí, le verbe de Dieu est là, y tenemos una disputa, et nous avons une dispute, él es el conciliador, c'est lui le conciliateur, él es el mediador, c'est lui le médiateur. Quiere decir que Pino va a conciliarse con Daniela por medio de la palabra de Dios. Ce qui veut dire que Pino va se concilier avec Daniela à travers la parole de Dieu. Quiere decir, familia, ce qui veut dire, famille, que es hora de que tú y yo, qu'il est temps que toi et moi comencemos realmente a vivir, nous commencions réellement à vivre, no de manera de religiosa, pas de façon religieuse, no de manera de venir a la iglesia solo por venir a la iglesia los domingos, pas de façon à venir à l'église les dimanches juste parce qu'il faut venir y no les inclusive dimanches, obedeciendo, ou pas juste même en obéissant, solo por obedecer, juste parce qu'il faut obéir, porque en la Biblia había mucha gente que obedecían por obedecer, parce que dans la Bible on retrouve beaucoup de gens qui obéissaient pero parce qu'il fallait obéir, pero su corazón estaba lejos del Señor, mais leur cœur était bien loin du Seigneur. Nosotros tenemos que entender, nous, nous devons comprendre que nuestro centro principal de vida, que notre centre principal de vie se llama Dios, s'appelle Dieu. La palabra de Dios, la parole de Dieu, es Jesucristo, c'est Jésus-Christ. La vida misma en acción en medio de nosotros, la vie même en action au milieu de nous, el amor puro en medio de nosotros, l'amour pur au milieu de pero nous, la disciplina pura y justa en medio de nosotros, la discipline juste au milieu de nous, el juicio correcto, le jugement correct, la palabra que edifica, la parole qui édifie, pero la palabra que es espada que entra y penetra hasta que te duela y te haga discernir. Mais cette parole qui est une épée qui rentre et qui pénètre pour pouvoir discerner ce qui est mauvais. Que Dios, ce qui veut dire que Dieu tiene que ser el todo, doit être le tout, en el todo, dans le tout y para todo, et pour tout, sin excluirlo en nada. Sans l'exclure de quoi que ce soit. Errores que hacemos tú y yo. Des erreurs que toi et moi muchas veces tú y yo sacamos a Dios de la ecuación. Beaucoup de fois toi et moi on met Dieu à l'écart de l'équation. Muchas veces sacamos a Dios de medio de nuestras vidas. Beaucoup de fois on met Dieu à l'écart estamos de nuestras vidas. Estamos en el trabajo y lo olvidamos afuera. On est au travail et on l'oublie dehors. No, no, Dios, esto no es un ambiente para ti. Non, non, mon Dieu, ça c'est pas une ambiance pour toi. Tú no entiendes qué significa trabajar en casa. Tu ne sais pas ce que ça veut dire travailler à la maison. En teletrabajo. Tu sais pas le télétravail. Esto no es un trabajo para ti, Jesús. C'est pas un travail pour toi, Jésus. Tú no sabes lo que significa trabajar en un colegio. Tu ne sais pas ce que ça veut dire travailler dans une école. Esto no es un trabajo para ti, Señor. C'est pas un travail pour toi, Seigneur. Tú no sabes lo que significa lidiar con la mujer que me diste. Tu sais pas ce que ça veut dire de devoir supporter la femme yo que tu m'as resuelvo. Donné. Moi, je vais le résoudre. Pero el Señor, et le Seigneur, lo que está buscando, ce qu'il est en train de chercher, es que tú ya no hagas nada. C'est que tu ne fasses rien. En el buen sentido de la palabra. Dans le bon sens du mot. Cuando digo nada, quand je dis rien, es para que aprendas. C'est pour que tu que apprennes. Cuando tú vayas a hacer algo, que quand tu vas faire quelque chose, c'est seulement quand Dieu te dit ce que tu dois faire, ¿cómo lo debes de hacer? Comment tu dois le faire y cuándo lo debes de hacer? Et quand est-ce que tu dois porque le faire a veces hacemos cosas, parce que parfois on fait des choses que entre comillas son de Dios, qui entre guillemets sont de Dieu, queremos dar un buen consejo, on veut donner un bon conseil, pero se lo damos en el momento equivocado, mais on le donne au moment erroné, en el momento donde Dios no nos dijo que lo hiciéramos, au moment où Dieu ne nous a pas dit de le faire, porque esas cosas que nosotros queremos hacer que aparentemente son de Dios, parce que ces choses là que nous voulons faire qui en apparence sont de Dieu, Dios no está allí. Dieu n'est pas là. Saben, Elías le pasó lo mismo en la et cueva. Vous savez, Élie lui est arrivé la même él chose dans la grotte. Mucho ruido, il entendait beaucoup de bruit, pero Dios no estaba allí. Mais Dieu n'était pas là. Él había mucho fuego, il voyait beaucoup de feu y no estaba allí. Et il n'était pas là. Pero a diferencia, mais en différence, Dios estaba en el lugar donde él menos se imaginaba, en la calma. Dieu était dans l'endroit où il imaginait le moins, dans le calme. Saben, y nosotros tenemos que entender, et vous savez, nous, nous devons comprendre que, cuando Dios está con nosotros, que quand Dieu est avec nous, es porque Dios quiere cumplir un propósito con nosotros. C'est parce que Dieu veut accomplir un objectif avec nous. Muchos me han tildado de fanático, et beaucoup m'ont pointé du doigt en tant que fanatique. Porque estoy tratando de llevar la Biblia y a Dios en todos lados y en todas las conversaciones y con todo el mundo. Parce que j'essaye d'emmener Dieu et la Bible dans toutes les conversations avec tout le monde et n'importe où. Sí. Oui.
Díganle a todos esos discípulos que murieron quemados como fanáticos. Dites ça à tous les disciples qui sont morts en tant que fanatiques. Díganle a todos sus apóstoles que murieron martirizados como fanáticos. Et allez dire à tous ces apôtres qui sont morts martyrisés qu'ils étaient fanatiques. Díganle a toda esa gente que donde se paraban lo único que hacían era hablar de Cristo. Sí, quiero ser fanático. Dites à tous ces gens qui, là où ils se mettaient debout, c'était pour parler de Christ. Alors oui, j'ai envie d'être fanatique. Porque tenemos que empezar a ver qué es lo que haría Jesús y tener a Dios, tener a Jesús en medio de nosotros. Parce qu'on doit commencer à voir non seulement qu'est-ce que ferait Jésus, mais avoir Jésus, avoir Dieu au milieu d'entre nous. Para que donde quiera que vayamos, pour que n'importe où nous irons, ocurran los milagros. Il puisse avoir, les miracles, les bénédictions. No que se acaben los problemas. Pas que les problèmes vont s'arrêter. Sino que el Señor se haga presente. Mais que le Seigneur se fasse présent. ¿Saben? En Mateo 18, 19. Et vous savez, dans Matthieu 18, 19. Pardon. Ajá. Ok. Fíjense lo que dice, léelo en français, por regardez favor, Daniela, ce qu'il est marqué. Okay. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si d'entre vous. Si deux d'entre vous, pardon, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. ¿Saben? Este versículo también está muy bello. Et vous savez, ce verset, bon, il est très beau. Pero muy maltratado. Mais aussi très mal usé. Porque lo bonito es que si tú y yo nos ponemos de acuerdo. Parce que c'est beau de dire si toi et moi on se met d'accord. Pero hay varias maneras de ponerse de acuerdo. Mais il y a plusieurs façons de se mettre d'accord. Físicamente. Physiquement. Sentimentalmente. Sentimentalement. Pero en el espíritu puede haber una barrera que nos separe. Mais dans l'esprit, il peut y avoir une barrière qui nous sépare. Por eso quiero traerte a colación hoy de colocar a Dios en medio. C'est pour ça que j'aimerais bien aujourd'hui te dire de placer Dieu au milieu. Porque cuando yo tengo a Dios aquí. Parce que quand moi j'ai Dieu ici. Tratando de que él se ponga de mi lado. En essayant qu'il se mette de mon côté. Y cuando Dios esté aquí. Et quand Dieu sera là. Ella tratando de que Dios se ponga de su lado. Elle en essayant que Dieu soit de son côté. Dios lo que te va a decir. Dieu ce qu'il va te dire. Te va a mostrar. Ce qu'il va te montrer. Cállate. Tais-toi. Mejor que pases la ofensa. Vaut mieux que tu. Humíllate. Tu supportes l'offense. Humilie-toi. Porque si quieres que yo te perdone, deja de ser orgulloso. Parce que si tu veux que moi je te pardonne, arrête d'être orgulleux. Y lo mismo él va a hacer con la otra persona. Et il va faire la même chose avec l'autre personne. Y cuando Dios opera en nosotros. Et quand Dieu opère entre nous. Ocurre esa bendición y ese milagro que viene desde lo espiritual. Il y a cette bénédiction, ce miracle qui a lieu dans le spirituel. ¿Cuántas veces hemos arreglado problemas con familia, con amigos, entre miembros de la iglesia? Et combien de fois on a réglé des problèmes avec des amis, avec la famille, entre membres de l'église? Y caemos. Y on tombe. Y caemos. Y on retombe. Y caemos. Y on retombe. Porque lo único que hacemos es vivir una vida de religiosidad. Parce que la seule chose qu'on fait c'est vivre une vie de religiosité. Y una vida de experiencia. Et une vie d'expérience. Se vive. Se vit. Cuando tú conoces qué es lo que haría Jesús. Quand tu connais qu'est-ce que ferait Jésus. Y tú lo empiezas a manifestar en tu vida. Et tu commences à le manifester dans ta vie. Porque una cosa, es conocer. Parce que une chose. Estudiar. C'est connaître, étudier. Otra cosa es vivir. Et autre chose, c'est le vivre. Por eso cuando el Señor nos dice, c'est pour ça que quand le Seigneur nous dit andad en el espíritu, marchez dans l'esprit, es porque es lo que él desea. C'est parce que c'est ce qu'il désire. Por eso el Señor cuando nos dice, c'est pour ça que quand le Seigneur nous dit santos, soyez saints, porque yo soy santo, parce que je suis saint, es lo que él desea. C'est ce qu'il désire. Que cuando yo me acerque a mi hermano, que quand je m'approche vers mon frère, yo tengo que entender que yo tengo que ser santo, je dois comprendre que je dois être saint, así como Dios es santo, tout comme Dieu est saint. Yo no puedo ir con ideas escondidas o con cartas bajo la manga. Je ne peux pas aller avec des idées cachées ou alors avec des cartes sous la manche. Yo no puedo vivir bajo la paranoia de la duda, del rencor, del dolor. Je ne peux pas vivre sous la paranoïa du doute, de la rancœur, de l'envidia, de la malcriança, de la jalousie, des caprices. Yo no puedo vivir bajo la competición que hay entre marido y mujer. Je ne peux pas vivre sous la compétition qu'il y a entre mari et femme. Yo no puedo vivir entre las diferencias que hay entre las iglesias cristianas. Je ne peux pas vivre sous les différences qu'il y a dans les porque iglesias cristianas. Porque el Señor nos ha hecho una sola familia a todos. Parce que le Seigneur a fait de nous une un seule famille. Un solo cuerpo. Un seul corps. Pero muchos lo han confundido. Mais beaucoup l'ont confondu. Con hacer de la iglesia de Cristo un show y un circo. Avec le fait d'être de l'église de Christ comme un show et un cirque. Tú puedes tener algo en tu cuerpo. Tu peux avoir quelque chose dans ton corps. Y no formar parte de tu cuerpo. Et ne pas former partie de ton ¿saben?
Vous savez, un jour, on m'a fait une opération ici dans la mandibule, je ne sais pas comment ça se dit. Mandibule. On a dû m'enlever un os. La mâchoire. Non. Ah, mâchoire. No sé. Ah, ok, la mâchoire. Averiguen en français comment se dit. Cherchez-le en français. Y tengo algo que está en mi cuerpo, et j'ai quelque chose qui est dans mon corps, pero no forma parte de mi cuerpo. Mais qui ne fait pas partie de mon corps. Y es lo que tú y yo tenemos que empezar a identificar que formamos parte todos de un mismo cuerpo. Et ça, c'est ce que toi et moi on doit commencer à identifier, c'est qu'on fait tous partie d'un même diferentes corps. Funciones, différentes fonctions. Diferentes vistas. Différentes vues. Diferentes formas. Différentes formes. Mi rostro no es como mi mano. Mon visage n'est pas comme ma main. Mi dedo de la mano izquierda no es el mismo el dedito chiquito que mi pie derecho. Mon petit doigt de la main gauche n'est pas le même que mon petit doigt du pied droit. El Señor nos ha conformado. Donc le Seigneur nous a conformé. De una manera diferente. D'une façon différente. Para que estando con él. Pour qu'en étant avec lui. Presentándolo a él. En le présentant lui. Nosotros podamos vivir tranquilamente. Nous puissions vivre tranquillement en harmonie. En unidad. En unité. No en uniformidad. Pas en uniformité. ¿Saben cuando dos se pusieren de acuerdo? Vous savez quand deux s'accordent? Cuando el Señor está en medio de ellos dos. Et quand le Seigneur est entre au milieu d'entre deux. El Señor va a obrar para que los dos. Le Seigneur va agir pour que les deux salgan ganar-ganar. Puissent être gagnant-gagnant. Pero a veces nosotros oramos. Mais parfois nous prions. Para que el Señor. Pour que le Seigneur, Señor, quebrante ese corazón duro de Daniela. Seigneur, vraiment casse ce cœur dur de Daniela. Y empezamos a llevarle chismes a Dios. Et on commence à emmener à moucharder envers Dieu. En vez de decirle à murmurer. Et au lieu de lui dire Seigneur. Señor, Seigneur. Quebranta mi corazón. Casse d'abord mon cœur. De verdad, yo no sé qué basura soy. Vraiment, je ne sais pas quel genre d'ordure. Eso lo vimos con aquel pobre que estaba en el templo. Et ça, on l'a vu avec le pauvre qui était rico. Au temple et le riche. Gracias por no hacerme como ese tipo. Merci de pas m'avoir fait comme ce type là. Y el pequeño. Et le petit, el pecador, le pécheur, Señor, Seigneur, se acepto a mi bajeza. Je m'accepte. Moi, yo me acepto, que él me acepte. Ah, Seigneur, accepte le fait que je sois bas. Mi pecado. Accepte Perdóname. Mon péché. Pardonne-moi. Y el Señor dice que ese fue el que salió justificado. Et le Seigneur nous dit que c'est celui-ci qui a été justifié. Saben, siempre el Señor va a estar a nuestro favor. Et vous savez, le Seigneur va toujours être en notre faveur. El Señor siempre va a cuidarnos. Le Seigneur va toujours prendre soin de nous. El Señor siempre va a estar en medio de las circunstancias. Le Seigneur va toujours être au milieu des circonstances. Aunque a veces pareciera que no obrara. Même si parfois on pourrait dire qu'il n'agit pas. Porque hay muchos casos en la Biblia. Parce qu'il y a beaucoup de cas dans la Bible. Donde veríamos que aparentemente Dios no obra. Où on pourrait voir qu'apparemment Dieu n'agit pas. Donde aparentemente, où apparemment, creemos que Dios está en silencio, on croit que Dieu est en silence, haciendo shh, en faisant shh, haciéndole shh, en faisant shh. A veces creemos, parfois on croit, que Dios está lejos de nosotros, que Dieu est loin d'entre nous, y no hemos entendido, et nous n'avons pas compris, qu'il está allí, qu'il est là, obrando, en agissant. ¿Saben? Me viene a la memoria el pasaje de o la historia de Lázaro. Et là, j'ai le passage ou l'histoire de Lazare qui me vient wow, en tête. Jésus-Christ estaba con sus discípulos. Et wow, Jésus-Christ est avec ses disciples. Y le llegan a decir a Jesucristo, mira, el Lázaro, el muchacho este que tú amas, está muy mal, está que. Et on vient dire à Jésus-Christ, écoute, Lazare, le jeune homme que tu aimes bien, bah, il est très mal. Je pense que son heure est arrivée. Y Jesucristo le dice, ¿qué quiere yo que haga? Et Jésus lui dit, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Déjalo tranquilo. Laisse-le tranquille. Después iremos. On ira le voir après. Resulta ser que cuatro días después se le ocurre a Jesucristo cuando Lázaro murió, ya es hora de que vayamos. Et quatre jours après, une fois que Lazare est mort, c'est là où Jésus-Christ se dit, bon, bah, il Pero est temps qu'on y aille. Pero ¿a qué te quiero llevar yo? Mais qu'est-ce que je veux te dire avec a tout ça? A la historia de las dos hermanas de Lázaro. C'est l'histoire des deux sœurs de Lazare. María. Marie. Y Marta. Et Marthe. Si nosotros vemos la historia de María y Marta o de Marta y María, si on voit l'histoire de Marie et Marthe ou Marthe et Marie, vemos que cuando Jesucristo se acerca a la aldea, on voit que quand Jésus-Christ s'approche a l'aldea, ¿cómo se llama la aldea? Al pueblito. OK, au village. Au village. Répète conmigo village. Répète avec moi au village. Ahí cuando el Señor llegaba al village. Donc quand le Seigneur arrive au village. Sale Marta desesperada. Donc il y a Marthe qui sort en étant dans Señor, désespoir, Seigneur. Pero ¿cómo es posible? Mais comment est-ce que c'est possible? Si tu estuvieras aquí, si hubieras sanado. Si tu avais été là avant, il aurait été guéri.
Pero señor. Mais Seigneur. Así como espuelita y gallo, ¿no? Comme ça, comme une petite poule. Tú sabes. Tu sais. Que yo creo en ti. Moi je crois en toi. Y el Señor le dice tranquilo. Pero. Et le Seigneur lui dit bah t'inquiète si pas. Si tú crees en mí, tú sabes que él va a resucitar. Si tu crois en moi, alors tu sais que il va ressusciter. Le saca su manual de doctrina que ella aprendió muy bien de teología. Et donc elle ressort son manuel de doctrine, tous ses enseignements de théologie. Ah, claro, Señor. Ah, bien sûr, Seigneur. Yo sé que ella resucitará en los días postreros. Je sais qu'il va ressusciter dans les derniers jours. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Vous savez ce que Jésus lui a dit? Ok. Saúl, Mapul. Saúl. No hay problema. No, il y a pas de problème. En eso. C'est là. Vemos que Marta sale corriendo. On voit que Marta part en courant. Y María está en su casa. Et Marie est dans sa maison. Llorando, su hermano. En train de pleurer pour son frère. Y cuando Marta le dice a María que el maestro está en la aldea. Et quand Marthe lui dit à Marie que le maître est dans le village. María sin pensarlo dos veces se levantó llorando y así salió corriendo. Donc Marie sans réfléchir est sortie en courant. Y todos los que estaban en casa que no comen para ser chismosos. Et tous ceux qui étaient à la maison, il y en a pas un qui soit pas mouchard. Estaban invitados al velorio y iban todos a llorar nada más para complacer porque estaban las lloronas que se contrataban antes. Ils étaient tous là pour aller enterrer le mort. Amigos, et il y avait les amis ou les femmes. Había un entierro. Qui était là juste pour pleurer. Había gente, il y avait un enterrement, il y avait des gens. Que María iba a ir a llorar a su hermano. Et ils pensaient que Marie allait pleurer pour son frère. Pero no. Mais non. Ella fue. Elle est partie. Donde su maestro. Vers son maître. Donde su señor. Vers son seigneur. Y a diferencia de Marta. À différence de Marthe. Dice. Il est écrit. Que María apenas vio al Señor. Que Marie à peine elle a vu le Seigneur. Se postró. Elle s'est prosternée. Antes que sus circunstancias. Avant ses circonstances. Antes que sus circunstancias y ella. Avant de se focaliser sur ses circonstances et elle. Entre la muerte de Lázaro y ella. Entre la mort de Lazare et elle. Dios. Dieu. Y le dice Señor. Et elle lui dit Seigneur. Y se postra a sus pies. Et elle se prosterne. Y comienza a adorarlo. Y elle commence à l'adorer. Qué actitud diferente de esta mujer. Alors quelle attitude différente de l'autre femme. Porque la otra era una activista. Parce que l'autre c'était juste une activiste. Religiosa. Une religieuse. Conocedora de la Biblia. Qui connaissait la Bible. Ven, yo te voy a aconsejar qué tienes que hacer tú. Viens, moi je vais te conseiller qu'est-ce que toi tu dois faire. Pero en ningún momento. Mais à aucun moment. Ha tenido esa relación íntima con su Señor. Elle a eu cette relation intime avec son Seigneur. Para postrar. Pour se para ponerlo en primer plano, pour le mettre en premier plan, aún antes de la muerte de su único hermano, même avant la mort de pienso, son unique frère. No sé si me equivoco, a lo mejor me equivoco. Era su único hermano. Enfin, je pense, en tout cas, je sais pas si je me trompe, mais c'était peut-être son seul frère. ¿A qué quiero llegarte? Et qu'est-ce que je veux dire, te dire avec ça? Que entre las circunstancias, c'est que avant les circonstances, ante la muerte, c'est que devant la mort, ante la enfermedad, c'est que devant la maladie, entre eso y tú, entre cela et toi, es hora de que tú comiences a ubicar a Dios. Il est temps que tu places Dieu. Es hora de que tú comiences a exaltar a Dios. Il est temps que tu commences à exalter Dieu. Es hora de que tú comiences Dieu. A adorar a Dios. Il est temps que tu commences à adorer es Dieu. Es hora de que tú comiences a proclamar a Dios. Il est temps que tu commences à proclamer es Dieu. Es hora de que tú comiences a buscar vivir pegado a los brazos de Dios. Il est temps que tu commences à vouloir vivre en étant collé dans les bras de Dieu. Para que donde tú vayas, pour que là où tu iras, Dios va contigo. Dieu soit avec toi. Y donde está Dios, et là où Dieu est là, hay una canción bella que la cantábamos con Claudio en Venezuela. Il y a une très belle chanson qu'on chantait avec Claudio venezolano. Que su nombre, qu'en prononçant son nom, la tempestad, la tempête, se calma. Se calme. Imagínense. Imaginez-vous. Con la presencia de Dios. Avec la présence de Dieu. Con Dios andando contigo todos los días. Avec Dieu qui va avec toi tous les jours. ¿Cómo no cambiará tu vida? Comment est-ce que ta vie ne changera pas? Esto puede funcionar muy bien entre hermanos. Et ça peut très bien fonctionner entre frères. Y está bien. Et c'est bien. Porque la hemos aplicado mucho. Parce qu'on l'a beaucoup appliqué. Y podemos empezar a aplicarla también mucho. Et on peut continuer à l'appliquer. Y beaucoup. Podemos seguir viendo muchos de los personajes que hay en la Biblia. Et on peut continuer à voir beaucoup des personnages Pedro, dans la Bible. Pierre. Los discípulos. Les disciples. David. David. ¿Qué hizo David? Qu'est-ce que David a fait? Lo que no quisieron hacer el pueblo escogido de Dios. Ce que le peuple de Dieu n'a pas voulu faire. Que entre el gigante. C'est que avec le géant. Entre el gigante. Entre le géant. Y David, et David, pardon, él quiso exaltar a su Dios. Il a voulu exalter son Dieu. El celo de Dios me consume.
La jalousie de Dieu me consomme. La presencia de Dios que va conmigo. La présence de Dieu qui est avec moi. Contigo. Va en finir avec Porque toi. Cuando Dios está contigo, Parce que quand Dieu est avec toi. Hay convicción, hermano. Il y a une conviction, mes cuando frères. Dios está contigo, quand Dieu est avec toi. Hay sanidad, il hermano. Y a de la guérison, mon frère. Aunque mueras. Même si tu meurs. Cuando Dios va contigo, quand Dieu est avec toi, hay reconciliación en la familia. Il y a une réconciliation pero de la verdadera, famille, mais la vraie, no la falsa. Pas la fausse. Cuando Dios está contigo, quand Dieu est avec toi, aunque tengas que ir a alguna clínica, a algún lado, que te digan buenas o malas noticias, même si tú esperarás aller, recibir buenas noticias porque tú crees en el Dios vivo. Même si tu dois aller dans une clinique pour qu'on te donne des mauvaises ou des bonnes nouvelles, toi tu vas croire en les bonnes nouvelles parce que dans tous les cas tu as un Dieu vivant. Cuando Dios está contigo, quand Dieu est avec toi, Dios es tu provisión. Dieu est ta provision. Cuando Dios está contigo, quand Dieu est avec toi, es tu paz. C'est ta paix. Cuando Dios está contigo, quand Dieu est avec toi, es tu fuerza. Cuando te sientes débil, Él te va a levantar y te va a decir adelante hijo mío, podemos. C'est ta force quand tu te sens faible parce qu'il va te relever, il va te dire va vers l'avant, on peut le faire. Cuando Dios está contigo, quand Dieu est avec toi, ocurre maravillas. Il y a des merveilles qui ont Comienza lieu. A abrir caminos donde no los hay. Il commence à ouvrir des chemins là Comienza où il n'y en a pas. Las aguas. Il commence à séparer les eaux. Comienza al amanecer. Il commence en medio de la noche. À voir l'aube au milieu y de la en nuit. Medio de la tormenta. Et au milieu de la tourmente, un de la tempête. De luz. Un petit éclair de lumière se forma, se forme y ves inmediatamente el arco iris. Et tu vois immédiatement Estoy contigo. L'arc-en-ciel, je no suis me avec he olvidado toi. De ti. Je ne t'ai pas oublié. Se lo dijo a Josué. Il l'a dit à Josué. Estoy contigo, no tengas miedo. Je suis avec toi, n'aie pas peur. No te fallaré. Je ne vais pas t'échouer. Pero hermano, mais mes frères, para llegar a ese extremo, pour arriver à cet extrême, hay que pagar un precio. Il faut payer un prix. Hay que vivir en su presencia. Il faut vivre dans sa présence. No te estoy diciendo que te vuelvas ahora místico. Maintenant, je te demande pas de devenir mystique. Que dejes de trabajar. Et que t'arrêtes de travailler. Lo que te estoy pidiendo. Ce que je te demande. Es que involucres a Dios en medio de tu vida. C'est que tu puisses inclure Dieu dans ta vie. Aun cuando estés en la ducha. Même quand tu es sous la douche. Para que no hagas cosas que no debes. Pour que tu ne fasses pas des choses qu'il aun ne faut pas. Aun cuando estés en conversaciones privadas. Même quand tu es dans les conversations privées. Para que no digas lo que no debas decir. Pour que tu ne dises pas ce que tu ne dois pas dire. Me viene también a la memoria un personaje. Et j'ai aussi un personnage qui me vient en tête. Moisés. Moïse. ¿Cuánto hemos hablado nosotros mal de nuestros pastores? Et combien d'entre nous nous avons mal parlé de nos pasteurs? ¿Cuánto somos familia y creemos que tenemos el derecho de criticarlo por el simple hecho de que es nuestro hermano, nuestro tío, nuestro papá, nuestro sobrino el pastor? Combien d'entre nous on se sent dans cette confiance de critiquer le pasteur parce que c'est notre papa, notre neveu, notre tonte. ¿Cuánto lo hemos criticado porque el pastor es mi amigo íntimo? Et combien nous l'avons critiqué parce que le pasteur c'est mon ami intime. Y nos creemos con derecho. Et du coup on se croit avec des droits. Así como que se creyó con derecho María y Aarón. Tout comme Marie et Aaron se no, sont cru no, avec no des María, des droits. No, no María, Willis ni Aaron su hijo, no. Pas Marie no. ni Aaron la famille de Los Willis. Hermanos non. de Moisés. Les frères de Moïse. Porque ellos entre hermanos estaban hablando. Parce que eux, entre frères, ils se parlaient. Le he dicho a la gente aquí en la iglesia, ni entre hermanos se hablen. J'ai même dit aux gens de l'église, même pas entre frères, Cuando digo no se hablen, en el sentido pas. Que no hagan comentarios. Quand je dis ne vous parlez pas, ça veut dire Porque ne eso vous es faites pas murmuración. Ne faites pas des commentaires entre vous parce que c'est de la Chisme. Murmuration. Entre padres e hijos te hablan. Et entre parents et enfants, ils se parlent. Cuando tengas algo en contra de tu líder, quand tu as quelque chose de tu pastor, contre ton leader, contre ton no pasteur, lo ne le parle Haz pas. Lo que hizo David. Fais ce que David a fait. Yo no lo voy a tocar a Saúl. Je ne vais pas toucher Saúl. Sabiéndose él ya rey. Lui en sachant qu'il allait être roi, l'élu. El escogido de Dios. Celui qui a été élu par Dieu. Y él esperó. Et il a attendu. Y él esperó. Et il a attendu. Y honró. Et il a honoré. Lo que el Señor había hecho en Saúl. Ce que le Seigneur avait fait en Saül. Y él sabía. Et il savait. Que si Dios lo puso. Que si Dieu l'avait mis là. Dios se lo iba a llevar. Dieu allait aussi l'emmener. Pero tú y yo. Mais toi et moi. Nos creemos con derecho. On se croit avec des droits. ¿Te diste cuenta lo que está haciendo Daniela? Est-ce que tu as vu ce que Daniela elle fait? Sí, ¿qué hizo? Oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Se puso con Michael a comentar de. Elle a commencé à parler avec Michael. Y después llegó Ana Karina. Et après Ana Karina est arrivée. Y entre las tres. Et entre trois. Llegaron a la conclusión. Ils sont arrivés à la conclusion. Que la culpa era del pastor. Que la faute était celle du pasteur. Porque
como evidentemente siempre la culpa del pastor. Évidemment, c'est toujours la faute du pasteur. Porque los trata duro. Parce qu'il les traite trop dur. Porque él es malo. Parce qu'il est méchant. Porque él es méchant. No, ese yo lo digo méchant primero. Ah, okay. Porque él es méchant. Parce qu'il est malo. Él es muy fuerte. Il est trop fort. Fort dans le sens fort. Y empiezan a compartir. Et ils commencent à partager. Y se empiezan a volver muy cristianos. Et ils commencent à devenir très chrétiens. Vamos a orar por el pastor. On va prier pour le pasteur. Señor, transforme ese corazón arrogante. Seigneur, transforme ce cœur arrogant. Qué tipo tan pedante, Señor. Quel type repoussant. ¿Cómo es posible que ese pastor no tenga corazón? Comment est-ce possible que ce pasteur n'ait pas de cœur? Es más panzón que corazón. Il y a plus de ventre que de cœur. ¿Cómo es posible que sea un líder tuyo? Comment est-ce possible que ce soit un tel leader? Y oramos. Et on prie. Y compartimos. Et on partage. Comentarios sanos. Des commentaires sains. Y le pasa a la gente. Et les gens. Le sucede. Il leur arrive. Lo que le sucedió a María. Ce qui est arrivé à Marie. Su vida comenzó a llenarse de lepra. Sa vie a commencé à se remplir de lèpre. Su vida comenzó a ser apartada de la bendición de Dios. Sa vie a commencé à être écartée de la bénédiction de Dieu. Su vida comenzó a bajar. Sa vie a commencé à redescendre. Y tuvo que el Señor trabajar en ella. Et le Seigneur a dû travailler para en que elle entendiera pour qu'elle comprenne que con los líderes, qu'avec les leaders, que con los siervos, qu'avec les serfs, con los escogidos de Dios, avec les élus de Dieu, ni con el pétalo de una rosa. Ni avec le pétale d'une rose. Hable con Dios, parlez avec Dieu, pero bendiga a su líder. Mais bénissez votre leader. Cuando usted coloque a Dios en medio de su líder, de su pastor y usted, su vida espiritual va a cambiar también. Quand vous placez Dieu au milieu de votre leader ou de votre pasteur et vous, votre vie va changer aussi. Y muchos se estarán pensando, bueno, pero esto me sirve a nivel de la iglesia. Et beaucoup vont se dire, mais ça me sert seulement au niveau de l'église. Sí. Oui. Claro que sirve. Bien sûr que ça sert. Y es necesario. Et c'est même nécessaire. Necesitamos. Nous en avons besoin. Que ante cualquier cosa que ocurre en nuestra vida. Que avant n'importe quelle chose qui ait lieu dans notre vie. Este Dios. Il y ait Dieu. Pero ahora hay un problema. Mais maintenant il y a un problème. Porque está bien Javier, ¿verdad? Que tú y yo somos hermanos y podemos arreglarnos así. Parce que c'est bien Javier que toi et moi nous soyons frères et on peut régler facilement les choses. Pastor, usted a la introducción dijo que este es nuestro trabajo. Mais pasteur, à l'introduction vous avez dit que c'était notre travail. ¿Cómo hago yo para ubicar a Dios en medio de mi jefe y yo que el tipo es un ateo? Comment est-ce que je fais pour placer Dieu au milieu de mon patron et moi alors que mon patron est athée? Tiene razón. Vous avez raison. Es difícil. C'est difficile. Es imposible. C'est impossible. No lo hagan. Ne le faites pas. Salgan del evangelio. Sortez de l'évangile. Vuélvanse mormones. Et devenez mormons. Váyanse donde los testigos de Jehová. Ou allez vers les témoins de Jéhovah. Sean mundanos. Soyez mondains. Sean muertos ambulantes. Soyez des morts sean ambulants. Zombies. Soyez des zombies. Muertos en vida. Des morts en vie. No abran sus bocas. N'ouvrez pas vos tienen bouches. Tienen mal aliento. Vous puez de la bouche. Claro que sí se puede. Familia. Alors bien sûr qu'on peut, famille. Cuando tú estés en un medio que no es cristiano. Quand tu es dans un milieu qui n'est pas chrétien. Ahí con más razón tú tienes que empezar a mostrar a Dios. Avec plus de raison tu dois commencer à montrer Dieu. Creo que Abimelech no era nada creyente, ¿no? Et je pense qu'Abimelech n'était pas très croyant, non? Creo que nosotros podemos marcar la diferencia en nuestros trabajos. Je pense que nous pouvons marquer la différence dans notre travail. Cuando tu jefe te obligue a hacer algo que esté en contra de los principios bíblicos, usted levántese y plante a Dios entre él y usted lo ha hecho. Quand votre patron vous demande de faire des choses qui sont à l'encontre des principes bibliques, vous vous levez fermement et vous lui montrez quels sont vos principes. Est-ce que vous l'avez déjà fait? A los estudiantes de aquí de la iglesia. J'ai dit aux étudiants ici de l'église. Cuando los obligan a ver esas películas filosóficas, pornográficas, de homosexuales, de lo que sea. Quand on vous, que lo han hecho en los liceos. Quand on vous montre des films ou des pièces avec des homosexuels, pornographiques, etc. Parce porque que es arte, es ça cultura. Arrive et parce que c'est de l'art, de la sculpture. Le he dicho, levántese y dígale al profesor, profesor, yo no voy a participar de eso. Je leur ai dit, levez-vous et vous dites simplement au professeur, je ne vais pas participer dans ça. Y explíquele por qué. Y vous lui expliquez pourquoi. Y usted le pone a Dios por delante. Y vous lui mettez Dieu devant. Y si después le da un 0-1. Et si après il vous met un 0-1. El Señor lo va a volver en 20. Le Seigneur va le retourner en 20. Porque esa es una promesa de Dios. Parce que c'est une promesse que de Dieu. Que se lo dijo a Josué. Qu'il a dit à Josué. Yo no voy a fallarte. Je ne vais pas t'échouer. Cuando tú me exaltes. Quand tu m'exaltes. Yo te exaltaré. Moi je t'exalterai. Cuando tú me levantes. Quand tu me lèves. Yo te levantaré. Moi je te lèverai. Pero cuando tú me niegues. Mais quand tu me nies. Yo te negaré. Moi je te nierai. Por eso muchos de nuestros jóvenes. C'est pour ça que beaucoup de
nos Seigneur jeunes. A veces los niega. Le Seigneur parfois les nie. Porque ustedes niegan al Señor en sus universidades. Parce que vous niez le Seigneur dans votre université. Porque no hemos sido capaces de enfrentarnos a un sistema que nos quiere arropar. Parce qu'on n'a pas été capable de s'affronter à un système qui a envie de nous envelopper. Y muchos preguntarán, pero pastor, ¿cuál es la solución entonces? Et beaucoup vont demander, mais pasteur, quelle est la solution alors? ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? Vous vous rappelez ce qu'on a vu au début? En el principio. Au commencement. ¿Qué es lo que decía? Qu'est-ce qui était marqué? ¿Cómo decía Michael al principio? Comment nous disait le début, Michael? Era el verbo. Était la parole. Y el verbo era con Dios. Et la parole était avec Dieu. Y el verbo era Dios. Et la parole était Dieu. Y seguíamos con otro pasaje de la Biblia que si nosotros permanecemos en Cristo y sus palabras en nosotros. Et on a continué avec un autre passage de la Bible qui nous dit que si nous restons en Christ et ses paroles restent en nous. Quiere decir que Dios está en nosotros. Ça veut dire que Dieu est en nous. Quiere decir que usted puede presentarle a Dios a ellos. Ça veut dire que vous pouvez leur présenter Dieu. Quiere decir que en su vida el Señor puede transformar toda esa tragedia en bendición. Ça veut dire que dans votre vie Dieu pourra transformer toute cette tragédie en bénédiction. Cuando las palabras de Dios permanezcan en nosotros. Quand les paroles de Dieu resteront en nous. Y hay un pasaje en la Biblia. Il y a un passage dans la Bible. Que nos da la solución a ese problema. Qui nous donne la solution à ce problème. Vayamos. Allons. Hablemos. Parlons. Compartamos. Partageons. Las buenas nuevas. Les bonnes nouvelles. Y mostremos. Et montrons. Al mundo. Au monde. Las virtudes. Les vertus. De aquel. De celui. Que nos llamó de las tinieblas. Qui nous a appelé a su luz admirable. Vers sa lumière admirable. Quiere decir. Ce qui veut dire. Que el propósito de Dios en tu vida. Que le but de Dieu dans ta vie. No es solamente en la iglesia. C'est pas seulement dans l'église. Sino también en el mundo. Mais aussi dans le monde. Para que tu vida en la universidad sea más fácil. Pour que ta vie dans l'université soit plus facile. Porque él la maneja. Parce que c'est lui qui la gère. No sin problemas. Pas sans problème. No te pongas a estudiar para que veas cómo vas a salir raspado, papá. Et commence pas à étudier, tu vas voir comment tu vas avoir des zéros, papa. Pero cuando tú comiences a proclamar de Dios. Mais quand tu commences à proclamer de Dieu. Cuando tú comiences a ser un hombre o una mujer osada para Cristo. Quand tu commences à être un homme ou une femme osée pour Christ. Cuando tú te comiences a confrontar con ese enemigo llamado sistema, filosofía, pornografía, educación, moda. Quand tu commences à t'affronter à ce système pornographie, mode, philosophie, éducation, le Seigneur va commencer à llenarte de una sabiduría que tú ni siquiera te la vas a imaginar. Va commencer à te remplir d'une sagesse que tu ne peux même pas imaginer. Porque él va a estar al lado tuyo. Parce qu'il sera là à côté de toi. Y cuidado con lo que voy a decir. Et attention avec ce que je vais dire. Él será tu chuleta. Il sera ton antisèche. ¿Qué es antisèche? Chuleta. No, 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 para uno copiarse, ¿cómo se llama? No, no, cuando no, uno se copia. Antisèche. Antisèche. Oye, eso suena antisèche. Sí, sí. Él va a ser tu antisèche. Il va être ton antisèche. Porque tú vas a estar aquí. Parce que tu vas être là. To be or no. Être ou. Y tú estás, lo tengo en la punta de la lengua. Et c'est là en mode, je l'ai sur le bout de la langue. Je l'ai sur le bout de la langue. ¿Y sabes lo que te va a decir el Señor? Et vous savez ce que le Seigneur va vous dire? Or not to be. Ou ne pas être. Et toi, ah, me acordé. Et toi, ah, je me suis rappelé. Et ainsi va travailler le Seigneur contigo. Et c'est comme ça que le Seigneur va travailler. Et ainsi est comme il va colocarte en honra delante de esos sinvergüenzas. Et c'est comme ça qu'il va t'honorer devant ces. Para que ellos. Devant ces hommes. Parce que pour que eux. tomen la decisión. Ils prennent la décision. O se apartan. Ou ils s'écartent. Desechan la palabra del Señor. Ou ils rejettent la parole de Dieu. O vienen a formar parte. Ou ils viennent former partie. De los hijos de Dios. Des enfants de Dieu. De los escogidos. Des choisis. Para que entren en un nuevo proceso. Pour qu'ils puissent rentrer dans un nouveau processus. Mais toi et moi. Tenemos la responsabilidad. Nous devons la responsabilité. Familia. Famille. Quiero compartir un último pasaje. Este sí quiero leerlo en español. Je vais partager un dernier passage et j'aimerais le lire en espagnol. Para que usted lo pueda también leer en su casa y. Y lo leamos en francés. Pour que vous puissiez aussi le lire à la maison, qu'on le lise aussi en français. Primera de Samuel. Donc 1 Samuel 20 chapitre 20 42. Verset 42. Porque yo le estaba diciendo sí, Señor. Parce que je disais oui, Seigneur. Todo lo que yo he visto en la Biblia, Dios está conmigo. Tout ce que j'ai vu dans la Bible, c'est Dieu est avec moi. Él está a mi favor. Il est en ma faveur. Si él está conmigo, ¿quién contra mí? Il est avec moi, qui contre moi? Yo soy nueva criatura. Je suis une nouvelle créature. Yo soy el templo de Dios. Je suis le temple de Dieu. Tú estás en medio de nosotros. Toi, tu es au milieu de nous. Pero necesito, Señor, mais j'ai besoin, Seigneur, que me digas, que tu me dises, si tú estás entre tú y yo, estás tú. Si entre toi et moi, il y a toi.
Quiero que vayamos a primera de Samuel. Dieu. Donc j'aimerais qu'on lise première de Samuel. 20. Chapitre 20. 42. Verset 42. Jonathan le dijo a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo: Jehová esté entre tú y yo. Familia. Familia. Quiero terminar con este versículo. J'aimerais finir avec ce verset. Porque quiero hoy motivarte. Parce que j'aimerais aujourd'hui te motiver. Darte ánimo. Te donner de la motivation, du courage. Ok, pues ya sonaba parecido. Darte fuerzas. Te donner des forces. Si se puede. Oui, on peut. Hacer que entre las circunstancias y yo esté Dios. Faire que entre les circonstances et moi, il y ait Dieu. La diferencia es. La différence, c'est que. Que tú estés ubicado con Dios. C'est la différence, c'est que tu sois placé avec que Dieu. Que tú vivas en Cristo. Que tu vives en Christ. Que tú estés en él. Que tu sois en lui. Que tú andes en él. Que tu marches en lui. Ahora, úsalo. Cuidado con lo que estoy diciendo. Maintenant, utilise-le y atención avec ce que je dis. Actívalo. Active-le. Vivifícalo en tu vida. Vivifie-le dans ta vie. Que sea algo cierto en tu vida. Que ce soit quelque chose de certain dans ta vie. Así como le dijo Jonathan a David. Tout comme Jonathan a dit à David. Yo sé que el Señor está entre tú y yo. Je sais que le Seigneur est entre toi et moi. Hoy vamos a vivir con el Señor entre tú y yo. Aujourd'hui nous allons vivre avec le Seigneur entre toi et moi. Y si tienes que vivir entre una circunstancia mala. Et si tu dois vivre entre une circonstance mauvaise. Es preferible que la vivas con Dios. Il est préférable que tu la vives avec que Dieu. Que lo coloques a él. Que tu le places lui. Como tu verdadero escudo. Comme ton véritable bouclier. Como tu verdadera fortaleza. Comme ta véritable forteresse. Como tu verdadero sostén. Comme ton véritable soutien. Como tu verdadero poder. Comme ton véritable pouvoir. Para que las fuerzas del mal. Pour que les forces du mal. Puedan acabar solo con tu cuerpo. Puissent juste en finir avec ton corps. Pero nunca con tu espíritu. Mais jamais avec ton esprit. Y nunca con tu alma. Et jamais avec ton âme. Aunque la salvación no la perdamos. Même si on ne perd pas le salut. No hay nada peor. Il n'y a rien de pire. Que vivir atormentado. Que vivre tourmenté. No hay nada peor. Il n'y a rien de pire. Que confrontarte a un familiar que siempre esté discutiendo con él. De confronter avec quelqu'un de ta famille avec qui tu discutes tout le temps. Y no seas capaz de ubicar a Dios para acabar con esa disputa. Et que tu ne sois pas capable de placer Dieu pour en finir avec cette dispute. No hay nada peor. Il n'y a rien de pire. Que vivir un cáncer. Que vivre un cancer. Que vivir una gripe. Que vivre une grippe. Que vivir una diabetes. Que vivre dans le diabète. Un problema cardíaco. Ou un problème cardiaque. Sin tener presente. Sans avoir présent. La presencia de Dios en tu vida. La présence de Dieu dans ta porque vie. Vas a terminar siendo atormentado. Parce que tu vas finir par être tourmenté. Y te lo digo porque viví esa experiencia hace dos o tres años atrás. Et je te le dis parce que je l'ai vécu il y a 2 ou 3 ans en arrière. ¿Se acuerdan cuando me hicieron la coronografía? Vous vous souvenez quand on m'a fait la coronographie? Hermano, desde la cama donde yo estaba. Mes frères, là dans le lit où j'étais. Hasta el momento que me llevaron allá al bloque operatorio. Jusqu'au moment où on m'a emmené vers le bloc opératoire. Man, eso fue un tormento, pero de espectáculo. Mes frères, ça c'était mais vraiment un tourment spectaculaire. Hasta que me acordé lo que me había dicho el enfermero hace 2 días antes de atenderme. Jusqu'à ce que je me sois rappelé de ce que l'infirmier m'avait dit 2 jours avant que j'intègre la clinique. Porque en ese lapso desde la camilla hasta allá no hice otra cosa que pensar en ataúdes, cómo iba a ser mi entierro, cómo iba a ser mi familia para arreglar todos los problemas en que estaban, yo los iba a dejar. Todo. Parce que de ma sortie de la chambre jusqu'au bloc opératoire, je n'ai fait que penser comment est-ce que ma famille allait vivre mon enterrement, comment ils allaient survivre avec tous les problèmes que j'allais laisser. Pero cuando me dejaron ahí en la camilla. Mais quand ils m'ont laissé là sur le lit. Porque déjenme decirles que también hay estacionamiento ahí en los bloques operatorios. Ahí te ponen en espera. Ahí hay una fila. Tú tienes que respetar la cola. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a aussi une file à respecter pour entrer dans le bloc opératoire. Ahí nadie se colea. Là, il y a personne qui dépasse. Y estás tú solo. C'est comme un parking. Viendo donc, el techo. Toi, t'es tout seul. Y tus tormentos. Tu regardes dans le ciel et tu vois des tourments. Y en ese momento me acordé de ese enfermero. Et à ce moment-là, je me suis rappelé d'infirmier. En la clínica cuando me estaba haciendo mi estudio cardíaco. Donc dans la clinique quand il me faisait l'étude cardiaque.
Pero usted no me dijo que usted era pastor. Mais vous m'avez pas dit que vous étiez pasteur. Quiere decir que Dios está con usted. Bah, ça veut dire que Dieu il est avec vous. No tiene por qué tener miedo. Vous devez pas avoir peur. Wow, eso fue una cachetada así. Et donc ça, c'était une claque comme ça. Y saben, empecé a alabar al Señor. Et vous savez, j'ai commencé à louer le Seigneur. Y en medio de esa circunstancia. Et au milieu de cette circonstance. Y mi camilla. Et mon lit. Puse a Dios. J'ai mis Dieu. Y entré y salí, no me importó si me humillaron, me pusieron con el pompi para el aire, si me agarraron, me vieron desnudo, me voltearon como un bistec, no me importó nada. Et à partir de ce moment-là, je m'en foutais complètement de ce qu'ils faisaient avec moi, s'ils m'ont retourné, s'ils m'ont mis les fesses en l'air, mais comme un bistec, non. Eso parecía mercancía del supermercado, mano, todo el mundo agarraba y tocaba. Ça, c'était vraiment un produit de supermarché, tout le monde mettait sa main et touchait. De verdad. Pero salí contento y gozoso. Mais j'en suis ressorti content et con joyeux. Un gran dolor en el brazo. Avec une grande douleur dans le bras. Fue pasando la anestesia, mais quand l'anesthésie est dolía, passée, ça faisait mal. Pero sabiendo, mais en sachant que, mi Dios estaba conmigo. Que mon Dieu est avec moi. Familia, famille, la vida cristiana es fácil. La vie chrétienne est facile. Ubica a Dios delante de ti. Et place Dieu devant toi. Ubica a Dios en medio de tus circunstancias. Place Dieu au milieu de tes circonstances. Y tu vida va a ser transformada. Et ta vie va être transformée. Tu vision va cambiar. Ta vision va changer. Tu perspectiva de vida va cambiar. Ta perspective de vie va changer. Y tu manera de presentarte contra los conflictos también va a cambiar. Et ta façon de te présenter face aux conflits va changer aussi. Dios me los bendiga. Que Dieu vous bénisse. Que entre tú y yo. Et qu'entre toi et moi. De ahora en adelante. Dorénavant. Este Dios. Il y ait Dieu. Que entre tú y yo, qu'entre toi et moi, de ahora en adelante, dorénavant, este Jehová, il y ait l'Éternel. Que entre tú y yo, qu'entre toi et moi, en medio de la iglesia, au milieu de l'église, se mueva Dios. Dieu puisse bouger. Que el Señor les bendiga, familia. Que le Seigneur vous bénisse, famille. Mucho. Je vous aime fort. Nos vemos la próxima semana. Et on se voit la semaine prochaine. Chao, bendiciones. Bye, bénédiction.